Bonjour à toi, citoyen, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hearts of Iron 4 avec l'Amérique nazie, The Man in High Castle. Alors, et on a enfin fini de taper dans l'Amérique centrale. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, ça. On va bientôt pouvoir taper en Italie, dans l'Empire romain, pour être exact. Equipment est fort, vas-y, continue. Ça reste quand même d'être un peu tendu, ils sont très 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 nombreux. Il me semble qu'ils sont également bien équipés. Regarde un peu. Bon, quoique. Ouais, non, en fait, c'est de la merde. Ça devrait aller. Front trade, ça me fait chier par contre. Je vais bien passer en économie fermée. Parce que j'ai combien exporté de 179, ouais. Ça me fait chier. Donne-moi tout, Japon. J'ai 5 lignes de production qui bossent. Est-ce qu'on a des pompes nucléaires d'ailleurs? Pas encore, je crois. Si, si, on les a. Bah oui, si, on les a. Je suis con si on, je rechercherai pas le radar. Alors, la logistique. Alors, si vous entraînez. Artillerie, tac. Toi, tu n'es pas un pro du tout. Tu vas t'entraîner. Allez, on continue. Tac. New commander. Peter Jones. Que l'on va envoyer. Je vais l'envoyer là. Non, non, je vais pas l'envoyer en Suisse. Je suis con, j'ai juste à faire ça. Quel idiot. Bah non. Ah, ça marche pas. Voilà. Faut pas qu'il saute ses couleurs. Blanc. L'artillerie, on l'améliore. 85, mais surtout pour les navires que ça fait chier. Quelques navires dans le Dockyard. Quand même quelques navires, ça fait plaisir. Force spéciale. Putain, oui. Les montagnards sont niveau combien? Ah, il faudrait peut-être les améliorer. Après l'hôpital de campagne. Alors, combien de temps? Je crois que c'est début 68. Ouais, non, c'est mars 68, je m'en souviens. La Colombie. Combien de temps? 420 jours, c'est beaucoup. Non, c'est super tendu, je vois pas comment. Pas comment réussir en soi là. On va les taper en Afrique du Nord. Je pense déjà que quand on tapera ici, ça sera vachement mieux. Ce qu'on va faire en ce cas là. Pas les envoyer maintenant en Afrique, si on n'aura jamais le ravitaillement pour. Ouais, tu y a combien?
Combien? Ouais, il n'y a que dalle. Ah, il n'y a que dalle. Je suis pas sûr d'avoir assez d'infrastructures pour mes propres troupes là tout de suite. Je sais pas, on verra. Combien de revues par jour? C'est pas beaucoup. Améliorer l'artillerie, ça fait plaisir. On va finir d'améliorer l'infanterie. Britannia a déclaré la guerre à la Suède. D'accord. Pompier, force. Doctrine est forte, tiens. Que je peux améliorer. Ouais. Les civils. Britannia rejoint l'axe. Ok. Il va falloir faire des bombardiers stratégiques maintenant. Merde, mon honneur. Porte-avions. Ok, tout à l'heure, j'en avais pas du tout. C'est vrai, tu t'entraînes. Logistic Company, on va prendre le signal. On fait partie de la même faction, tu pourrais pas être gentil pour une fois, espèce de connard d'anglais. Putain, je vais tellement lui péter la gueule. Oups. Ah, ça va être marrant quand on va faire la grande guerre contre l'Europe. Ça va être horrible. Toute l'Europe qui est dans l'axe, on va devoir taper dans l'arbre violemment. Sûrement se faire. Ouais, il faudrait que je commence à faire de. Ouf. Ouais, allez, vas-y. Tech. Pas besoin de logistique. Signal peut être intéressant. Fil d'hospital, ouais. On va faire ça, on va faire quelques-uns. Genre, je sais pas. Allez, on va faire 12 par 12. Pour défendre les côtes italiennes lorsqu'on en aura pris possession. Ils sont très 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 nombreux. Je pense qu'on va juste se retrancher. On va pas attaquer. On est dans les montagnes, on a l'avantage. Fanny. Je sais pas que ce soit une montagne. Non, c'est pas des montagnes. Là, c'est montagne. Faudrait laisser les Italiens attaquer. Ou but dessus les. Putain, mais ils sont où? Faut faire un base. Tac. Lucas Wilson.
Ok. On va monter ça, sinon il sera un peu dans le mal. Voilà. Faut qu'on défende les Allemands à la place des Allemands, c'est marrant. Putain, ils ont pas foutu de buter soviétique, ils ont pas d'équipement, ils ont rien. Allez-y, les gars! J'ai 144 divisions qui se dirigent vers l'Italie. Les paras, j'adore les paras. Cent vingt et une divisions ici, 76 ici. Ah non, 300. C'est pas génial. T'envoyer tout ça. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ce serait pas mal. Je vais t'envoyer, sinon je vais être dans le bras. Faut que tu changes de couleur, toi. Tu seras cyan. Cyan dégueulasse. Ils vont taper là-dedans et c'est pas bon pour mes affaires. Bombes nucléaires. On continue à produire. Ouais, on continue de produire des usines. Ça pourrait assez rapide à mon goût, mais bon, c'est long de produire des usines nucléaires. Putain. Oh, j'en ai 20 ici à construire. Ça fait beaucoup. Ça fait quelques-unes. Tac. J'envoie les blindés. Je pense pas, si que des montagnes ne sert à rien. Jim Taylor. On va l'envoyer là. Vous êtes des pros, vous en êtes pas, toi t'es pas un pro. Allez, encore un mois. En tout cas, les doctrines terrestres, hein, tout du moins. Ouais, faut continuer d'améliorer tout ça. La vache, c'est quoi ce bug?
C'est bon, on a fini. Les couleurs là dégueulasses. Bizarre, mais pourquoi pas. Alors, on a combien de temps? 7 mai 1968. Vous, c'est bon. Ce n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que ça va être, les gars? Le cœur, la vraie! Toi, t'as fini. T'as pas fini du tout, t'as à peine commencé, espèce de connard. Jusqu'en avril. En fait, faut qu'on. Je pense qu'ils étaient là, faut qu'on réussisse à les avoir à l'usure. Ils ont pas énormément de divines non plus. Bon, ils ont bientôt fini contre les soviets. Ils ont réussi à se faire choper, mais ils sont cons. Ils sont cons. Bon, c'est pas grave. Dans l'ouest. Putain, je me perds. Ils sont où, eux? Vous m'expliquez pourquoi vous avez pas bougé votre cul, là? Vous, c'est quoi, allez vous faire mettre? Il t'aura pas fini avant le début. Allez, tu reprends ton organisation, s'il te plaît, et on va déclencher l'offensive. Enfin, avec la fin de guerre, parce qu'on va pas attaquer nous-mêmes, hein, ça je peux te le dire. T'as fini? T'as fini. Allez hop, c'est parti! Vous bougez déjà, c'est bien. Ce qu'il nous faut. Ouais, ouais, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est. Voilà, call to arm. Tout le monde, venez. Attends. Bon, voilà, c'est bon. Nous sommes tous en guerre! Alors, est-ce qu'ils attaquent quelque part à part en France? J'ai pas l'impression. On va les laisser se casser les dents en France. Hein. Oh la vache. Putain, ça va vite! Ah ouais, non, ça va vite. Hein. Ah putain, oui, ça va vite. Hein. Bon, allez-y. Hein. Bouge, reste là. Je ne bouge pas. Call to arm, sur qui? Je suis déjà là. Ah oui, c'est vrai, il y a la Suède aussi. Bon. Vous allez bien vous débrouiller avec la Suède, hein. Déjà 100 000 pertes du côté des Italiens. Je sais même pas combien ils ont. T'es sérieux? Ils ont pas de manpower? J'ai le bidon. Britannia is defeating against us. Norvège. Bon. Tu peux essayer de quitter les gens, tu vas voir ce que tu vas te prendre dans la gueule, Britannia. Des bombes atomiques, c'est moi qui te le dire. C'est 200 000 de pertes. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah non, ils sont pas de manpower. Oh non, je suis déçu là. Ah franchement je suis déçu. Je m'attendais un petit peu à distance mais non il n'y en aura pas.
Bon, il n'y a plus qu'à les admirer se casser les dents contre les forces alliées, les forces de l'Axe. Parce que là, ouais, oh putain, 6000 paires du côté de la France de Vichy. Ah, night fishing. Non, mais ça, c'est à cause de des soviets. 50 pinots contre les soviets, t'es sérieux? Non, je peux en fin de guerre contre les soviets si tu veux. T'es pas accepté? Pourquoi? Bah, ok. Si tu veux, bon. Commence à avoir nos divisions. Deux divisions. Voilà. Une division. On va peut-être faire ça, tiens. Ça peut être intéressant. Alors, comment? Transformation du mail? Ouais. Faut mieux faire. Bon, écoutez, les gens, on va se quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve demain pour la suite. À mon avis, on va faire capituler dans un ou deux épisodes, pas plus. Allez, bisous tout le monde.